Hello tout le monde, c'est Stéphanie Chaton. Je vous propose aujourd'hui un travail sur le poids, le contrepoids, la danse contact. Je sais qu'on est seul dans nos maisons, mais on peut travailler à l'aide d'un mur. Donc je vous propose d'abord un travail d'exploration et ensuite une mémorisation d'une phrase dansée. On dansera cette phrase sur Bardotodol de Dame Dijkstra. Merci. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un travail sur le poids du corps, le contrepoids, la danse contact. Évidemment, on n'a pas forcément de partenaire, donc je me suis dit qu'on pouvait danser avec les murs de nos maisons. Donc, trois petits ateliers d'exploration avant la phrase de mémorisation. Premier atelier, vous vous posez tranquillement contre le mur, en laissant bien l'empreinte des parties du corps qui sont au contact. Donc, ces empreintes se déposent, les pieds sont tranquilles au sol. Une fois que vous avez mis un petit peu de poids, vous pouvez tester qu'une résistance plus importante en éloignant les pieds et en dosant la résistance à donner. Donc on teste avec une première posture. Moi j'ai déposé mon bras gauche, la tête et puis l'épaule gauche et les deux pieds très résistants qui repoussent le sol, un centre bien soutenu. Autre posture par exemple, le dos. Donc pareil, je commence avec peu de poids, une bonne détente dans les hanches. Une fois que je sens bien ce poids, les appuis tranquilles, j'éloigne les pieds. Je crée un peu plus de repoussée et d'appui solide dans le sol. Deuxième atelier, tout le poids de votre corps cette fois va être dans vos pieds. Et c'est juste un jeu de contact, de caresse, de relais, d'appui dans le corps. Toujours des pieds très solides. Calme. Voilà, vous faites des allers-retours en créant bien surtout les relais pour que jamais votre corps cogne contre le mur. Dernière chose, beaucoup de repoussées. Donc on éloigne ses pieds. Si le mur n'était pas là, je tombe. Des pieds très solides. Et je viens comme ça, toujours dans le relais des appuis, passer d'une partie du corps qui est au contact du mur à une autre, en créant bien les relais. Là, par exemple, j'ai transféré des omoplates à l'épaule. Pour pouvoir me repousser, j'utilise ma main. Une fois que ma main est claire, j'utilise le pied. Je viens déposer une autre partie. Là, c'est l'avant-bras. Une fois que j'ai du poids dans l'avant-bras, je peux lâcher la main, venir déposer, toujours en soutenant avec le centre, à nouveau de nouvelles parties et jouer avec une résistance beaucoup plus forte. À vous de jouer! Donc, on commence. Profil au mur et c'est le regard. La main vient se poser à hauteur des yeux, glisser comme une caresse, sans poids du tout dans la main. Tout le poids est dans vos pieds. On vient glisser les deux bras vers le haut, poids de la tête. Suspension, poids de la tête, tout est une caresse. Et maintenant, on engage un contrepoids, on dépose les côtes et l'empreinte des deux pieds dans le sol avec une bonne assise et un bon repoussé des côtes. Encore une fois. Et regard, main. Donc juste un effleurement au départ avec la main qui s'éloigne de l'épaule droite. Ouverture et enracinement des pieds dans le sol, flottement dans le haut du corps, côte qui se pose, empreinte dans les pieds, avec un appui très fort dans le pied droit, dans ses côtes, gauche, pour pouvoir délicatement soulever le pied gauche. Donc ça fait gauche, des côtes, on va appuyer dans l'épaule, tête qui s'installe contre le mur, main droite qui vient repousser, on s'éloigne de sa main pour revenir transférer dans sa jambe, suspendre et engager un déséquilibre, croise, écarte, croise. Encore. Regard, main, caresse, 2, 3, suspend et poids, suspend et poids, allège, dépose côte, empreinte. Gauche, avance, épaule, tête,
main droite, éloigne, déposez le dos, déséquilibre, croise, écarte, croise. De là, on a tout le dos déposé au sol. La main gauche vient vers le sol, on déploie la jambe droite, le dos toujours déposé contre le mur, on repousse, regroupez, déposez bassin, éloignez, on a les omoplates qui sont déposées et le regard se pose sur la main droite. La descente au sol, donc du déséquilibre. Le dos est déposé contre le mur, suspension, déséquilibre, croisé, trois pas. La main gauche, la tête glisse, on repousse, un beau volume sous les côtes et on vient se recroqueviller, déposer bassin, s'éloigner en se repoussant. On a les omoplates qui sont déposées, le regard sur la main. De là, on éloigne son dos du mur en repoussant dans sa tête et en montant sur ses ischions un peu plus. Donc, il y a une antéversion dans le bassin. Repousse, engagez la main gauche, on organise ses appuis et la main gauche nous propulse vers l'avant pour faire droite, gauche, poids de la tête. La main gauche nous récupère, on plie, on dépose l'épaule droite, suspension, plier, main et arriver net. Encore une fois, cette partie, on était arrivé au sol, le regard dans la main. On appuie dans l'avant-bras, on repousse tête, on organise ses appuis, suspend, poids, main, allègement, contrepoids avec l'épaule déposée et restez. Depuis le début. Regard, caresse, 2, 3, suspend, enracine, laisse flotter le haut du corps, allègement, empreinte de pied, étalon gauche, transfère le poids, passe sur l'épaule, la tête, main, éloigne, suspension et chute, 3 pas, dos qui glisse contre le mur, allège, déposez main, gonflez, dépose bassin, éloigne, regard, repousse, main, éloigne, toi du mur, reviens, et pliez, main, reste, regard, poids, suspend, poids, repousse, marche, et on reprend du début. Regard. Glisse. 2, 3, 4. Et poids. Hop. Et poids. Suspend. Dépose l'empreinte. Et repousse avec la tête, la main. Passe par-dessus. Déséquilibre. Croisé. Et glisse. Repousse. Main. Glissez. Déposez, déroule tes appuis. Et main, pied devant. Poids, la main gauche qui est prête. Allègement, glissez, pliez, restez. Deux rebonds. Plie, repousse, marchez. Et fini. Et caresse, poids, thank you.
reprendre à l'infini. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, des questions aussi sur l'Instagram de Néo Danse Academy. À bientôt. Bye bye.